Histoire. Au commencement, Death chercha le vieux Corbin, mais il trouva plus précieux. Un secret depuis longtemps oublié, un passage vers un autre monde. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on est là pour le deuxième playthrough de Darksiders 2. Donc voilà, j'ai laissé un petit peu le début pour ceux qui veulent se rappeler de ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on m'a demandé de savoir un petit peu à chaque épisode de résumé juste avant. Ben écoutez, ben là il l'a très bien fait. Donc en gros, Death cherchait à voir. T'es parti aller voir le vieux corbeau. Bon, ça s'est passé pas comme prévu. Ça, vous pouvez le voir dans le premier playthrough. Et là on enchaîne avec le deuxième. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc stylé, regardez. Et voilà. Ça reprend la partie là où là où vous avez arrêté, ou plutôt sur une position où vous avez sauvegardé. Je crois que j'avais sauvegardé là, sans mentir. Mais ça fait stylé quoi, car vous voyez que la caméra elle tourne autour du personnage. Donc à mon avis, je pense que quand vous aurez votre stuff abusé, etc., ça va faire hyper stylé. Et à chaque endroit où vous allez vous arrêter, bah ça va reprendre la sauvegarde ici. C'est vraiment stylé, petit point pour lui. Alors les amis, j'ai une tonne de choses à vous dire. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, et j'espère que vous avez les oreilles prêtes. Donc déjà, d'abord, on va commencer le dialogue avec lui. Le cavalier, il était temps que tu arrives. Le royaume des fondateurs se meurt. Nous sommes tout ce qu'il en reste. La vie d'un guerrier n'est jamais facile, l'ancien. Non, mais toujours très simple. J'ai toujours voulu mourir l'arme à la main, entouré de cadavres ennemis. Et quelle fin glorieuse vous attend, cachée derrière ces portes? Ah, on ne peut combattre la corruption, encore moins la vaincre. Seulement tuer ceux qu'elle a pervertis. Chacun des coups que je porte contre elle est un coup porté à mon propre peuple. Médite là-dessus, avant de m'accuser de lâcheté. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Par ici, tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort n'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider ou tous ces combats vous ont rendu sénile? Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Mais un malin comme toi saura sûrement les éviter. Alors voilà, donc apparemment lui va nous filer les techniques de Death comme moi le faisait avec un gars, enfin je m'en rappelle plus son nom. Donc voilà, ouais, voilà. Ça, c'est ses techniques. Ok. Bon, bah, apparemment, il est écrit gratuit. Bon, on va prendre ça. Bon, et le reste, je peux pas. Alors, Tan vous a appris une nouvelle. Alors, voilà, sélectionner option 3 pour d'autres coups. Pour utiliser la revanche. Ok. Alors, les gens, j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai énormément, mais vraiment plein de choses à vous dire. Et pour commencer, première question primordiale, soyez une dizaine, même c'est pas grave si vous repostez deux fois, hein, si vous avez deux choses à dire, n'hésitez pas à poster 3-4 fois tant que c'est des questions intelligentes, moi je lis tout. Est-ce que vous préférez pas que le jeu, je le mette en anglais et que je garde les sous-titres en français? Je sais pas si on peut faire ça, je regarde ça tout de suite. Sous-titres, je sais pas, je crois pas. Je sais pas. Donc si je peux le faire, donnez-moi votre avis. J'essaierai de chercher pour voir s'il y a moyen. Parce que moi j'aime bien les voix anglaises. Moi par exemple je regarde Breaking Bad en anglais, sous-titré français, ou Walking Dead, ou Dexter, etc. Ou avant quand j'étais fan de manga, bah, j'adorais regarder Bleach ou One Piece, etc. en japonais et lire en français. Bref. Donc voilà, juste pour vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc là franchement... Pour commencer, par quoi on va commencer?
Déjà, on va commencer par le playthrough. Alors, le playthrough, franchement, vous m'avez vraiment impressionné. Je m'attendais vraiment pas à des tels retours. 300 likes en pratiquement une journée et pas mal de vues. Apparemment, ça attire l'œil. Donc voilà, et franchement, ça m'a extrêmement plu. Vos commentaires, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bien sûr que je continuerai le playthrough avec grand grand plaisir, avec Death. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, si je me concentre pas, je vais pas savoir où il faut aller. Donc je pense que s'il faut aller en... si on peut nager, donc je pense qu'il doit y avoir une sortie ou une entrée quelque part en dessous de l'eau, peut-être, je sais pas. Non, peut-être c'était juste pour s'entraîner. Hop. Hop. Ah putain, je l'ai pas vu quoi. Alors, ouais, de toute façon, faut que je regarde souvent la minimap, ça va m'aider plutôt. Alors voilà, franchement, le playthrough, ça m'a fait extrêmement plaisir vos retours. J'espère que dans tous les playthroughs que je ferai, bah, il y aurait à peu près des playthroughs, des retours similaires. Ça m'aiderait énormément, vous savez, c'est ce qui continue à faire marcher mes vidéos. C'est grâce à vous, ça vient pas du ciel, hein, vous savez, les amis, ça vient vraiment pas du ciel, c'est seulement grâce à vous et c'est vous qui le décidez. Donc voilà, ça c'est G. Ensuite, qu'est-ce qui est G qu'est-ce que j'ai pas dit plutôt? Donc j'ai dit ouais, 2 vidéos par jour. Donc attendez, je vais laisser, je sens que la cinématique a l'air épique. J'ai rien que de voir ça. Ça me fait peur. Donc je pense que je peux utiliser mon cheval là. Et si, voilà. Despair. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 2 vidéos par jour, mais c'est qu'en fait ce que j'ai peur, je sais pas si vous comprenez. C'est que j'ai peur que je poste Sleeping Dogs et Darksiders 2 en même temps et que vous ne regardez pas les deux vidéos ou que... Parce que vous savez, des fois YouTube bug et ne vous affiche qu'une vidéo. J'en ai parlé rapidement par écrit, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bah, des fois, par exemple, quand je poste une vidéo, vous êtes abonné ou quoi, vous n'allez pas voir que j'ai posté une vidéo, vous allez vous en apercevoir 2 jours plus tard. Et ça, j'ai eu des retours. Enfin. J'ai eu des commentaires en me le disant par message privé, ouais, tu vois, le problème, c'est que je vois ta vidéo au bout de 2 jours. Ouais, je dis, comment ça, t'es abonné? Bah oui. Donc ça, une fois, deux fois, et quand vous commencez à être une vingtaine, ça commence, je commence à m'inquiéter parce que je me dis, putain, des fois, quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de likes ou quoi que ce soit, je me dis, enfin, pas beaucoup de likes, mais quand je me dis, ouais, pas beaucoup de commentaires, tout ça. Bah je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait non, vous avez pas vu la vidéo qui s'est postée et ça me... Donc voilà, après YouTube a ses bugs, on va pas faire tout un flan. Ou même carrément, bah je vous dis la vérité, YouTube vous désabonne. Et ça, j'ai eu des... Oula. J'ai presque une cinquantaine de personnes qui me le disent par message privé. Ouais, j'ai été désabonné de la chaîne, etc. Vous savez, parce que moi j'ai un goût... Vous avez appris à me connaître, vous avez appris à savoir qu'avec moi vous pouvez m'envoyer des messages privés, vous savez que je vais répondre. Donc n'hésitez pas à me le dire quoi, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Même il y a des gens qui se permettent de me dire, ouais, je suis en vacances, ça fait 2 semaines, j'ai pas regardé tes vidéos, là je vais tout rattraper. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je sais que là, certains ils sont pas là et après ils me disent, ouais, bon, t'inquiète pas, je reviens rapidement, je vais tout regarder, ça me fait plaisir. Donc donnez-moi de vos nouvelles, n'hésitez surtout pas quoi. Donc voilà, franchement, regardez de temps en temps sur la chaîne, essayez de passer souvent. Voir s'il n'y a pas une vidéo qui va être postée. Donc au pire, ce que je vais faire, le système que je vais faire, c'est que je vous dis, je vais poster maintenant les vidéos seront postées à midi, 12h ou 1h. Voilà. Donc regardez vers ces eaux là au pire des cas, grand maximum 3h. Mais voilà, c'est vers ces eaux là comme ça au moins vous êtes sûr que peut-être il y a une vidéo au lieu de regarder à n'importe quelle heure, par exemple s'il est à 8h ou 9h. Donc voilà, regardez vers ces eaux là 12h, 1h ou 3h. C'est pas pour être sûr que vous regardez. Enfin, si, c'est pour être sûr que vous regardez plutôt. Putain, je suis con. Mais c'est plutôt pour que, je sais pas. Franchement, moi, franchement, ça me frustre quand on me dit, ouais, j'ai vu ta vidéo au bout de 2-3 jours. Ça me. Je veux dire, mince quoi. Donc voilà, j'espère. Et surtout aussi, regardez si vous êtes toujours abonné.
YouTube vous désabonne malheureusement, même carrément vous êtes désabonné, vous vous réabonnez, bah votre réabonnement ne compte pas. J'ai fait le test, hein, vous inquiétez pas, j'ai créé un compte, je me suis abonné, ça m'a désabonné, je me suis réabonné, ça n'a même pas compté. Donc, pour vous dire que YouTube c'est vraiment, vraiment, vraiment chelou. Je m'en plains pas, mais c'est un petit peu pour vous donner des nouvelles. Hein. Je le fais pas souvent ces temps-ci et je vais en profiter là pour le playthrough numéro 2. On est en mode découverte, on dirait un open world, je vous jure, vraiment des grandes zones. Donc du coup voilà, oh là là là, on tombe pas. Donc du coup voilà, voilà. Ça c'est bon, je crois que j'ai tout dit à peu près. J'ai fait un petit tour sur Darksiders 2, je me suis un petit peu renseigné, ne vous inquiétez pas, je vais parler de Darksiders 2. Ça va venir, mais là déjà 10 minutes qui est passé, 10 minutes qui est passé, alors que je fais que de l'exploration. J'espère qu'il va y avoir un peu d'action quand même, voyons. Donc voilà, moi j'essaie de faire 45 minutes, 50 minutes grand maximum. Grand maximum, après je peux pas faire plus parce que sinon après c'est chiant le upload et le montage, donc je pense que ça vous allez comprendre. Vous inquiétez pas, de toute façon je vous le dis, hein, je vous l'avais été. Oula, par contre, qu'est-ce que c'est? Oh, putain, attendez là, éclate en 2 secondes. Select, donc voilà, j'espère que vous comprenez. De toute façon, comme j'allais dire à l'instant, oh. Les gens, il y a jusqu'au 20 septembre pour Borderlands, donc on a énormément de temps, on a un mois devant nous quoi, avec Darksiders 2, Sleeping Dogs quoi. Franchement les gens, en parlant de Sleeping Dogs, les gens, un playthrough, comme j'ai dit, ce qui compte c'est les likes, etc. et tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like. Des fois je pense pas à le rappeler, parce qu'on n'y pense pas, des fois moi-même, ça m'arrive de regarder une vidéo et de pas liker ou quoi que ce soit. Et bon, ça aide le youtubeur, voilà. Ça aide le youtubeur, ça fait plaisir surtout. Et moi au moins je sais que vous êtes là. Et quand je vois que vous pouvez faire jusqu'à 400 likes, je me dis que quand même, vraiment, vous êtes omniprésent. Et quand même, il y a moyen de faire plus. Et pourquoi pas les 500, les 600, les 700 pour que je fasse une, pour que je fais une crise cardiaque et que je vais à l'hôpital. Comme ça au moins quelqu'un pourra se faire passer pour Liberty à ma place. Non, je rigole, c'était blague. Non, franchement, si on peut faire plus, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais bon, déjà, c'est assez incroyable et je vous remercie énormément. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, elles sont carrément abusées les lames. Putain, est-ce que je peux attaquer? Ok, je dois attaquer. Attendez. Alors, attendez. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est... C'est que quand vous regardez les playthroughs, vous vous dites... oh putain, c'est trop la balle. Oh putain, j'adore. Le jeu, il est excellent. Ah ben, vous allez sur Amazon ou quoi que ce soit et vous mettez à l'acheter le jeu. Et moi ça me fait extrêmement plaisir quand on me dit ouais j'ai acheté le jeu grâce à toi. Et moi c'est ça, c'est que je veux qu'on partage ce plaisir ensemble. Pas seulement de m'écouter ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est important pour moi que vous kiffiez, ou si vous n'avez pas les moyens malheureusement, bah, de vous faire kiffer à travers mes vidéos et de suivre mes aventures de cavalier, de guerrier avec moi. Donc là je pense que j'ai tout dit. Franchement j'essaie de me dire est-ce que j'ai déjà tout dit. Comme ça au moins je reviens pas là-dessus. Est-ce que j'ai tout dit? Hop. Ça me dit qu'il y a un coffre. Donc je dois sauter. Oula, j'ai pas fait exprès là par contre. Alors attendez. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai trouvé un truc épique. Non, un truc épique, excuse-moi. Je sens que je vais trouver un truc de merde plutôt. Non, là je fais n'importe quoi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut aller là? N'importe quoi. Donc voilà, comme j'ai dit, ouais c'est bon, à part ça, bah voilà, et YouTube vous désabonne malheureusement, donc pensez à regarder si vous êtes toujours abonné, et à regarder souvent la chaîne, hein. Ne regardez pas en vous demandant, ouais, est-ce que sur votre accueil, à voir si j'ai posté une nouvelle vidéo, donc voilà, pensez-y. Donc voilà,
J'espère que vous allez prendre en compte ce que je viens de dire. Enfin, prendre en compte que vous allez. Que j'ai pas été chiant pendant 10 minutes à vous parler de ça. Mais c'est important pour moi de temps en temps vous récapituler un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne. Et j'en profite sur le playthrough de Darksiders 2 avant que ça devienne sérieux. Là, ça va. Ok. Je sais pas si c'est important. Donc là, ça va encore. C'est pas trop. Enfin, pour l'instant, c'est la découverte. Donc voilà, je pense. Ah oui, et un petit truc. Jeuxvideo.com ont. Bon, après, je sais pas. Mais Jeuxvideo.com ont mis un 16 sur 20 à Darksiders 2. Et franchement, j'étais déçu. Parce qu'il mérite plus, quoi. Il mérite largement plus. Et franchement, j'ai été déçu. Franchement, je m'attendais à un 19. Je vous jure, il y a des phases de plateforme améliorées. Il y a ce qu'on aime de Darksiders. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis un 16. Enfin, je comprends pas cette note, mais bon. Je dénigre pas Jeuxvideo.com, donc les gens, franchement, moi je vous le dis, ils méritent plus que 16. Ils méritent un 19. Pour le peu déjà, pour le peu qu'il y a, pour moi ils méritent un 19. Donc voilà, pour le peu que j'ai vu, pour le peu. Bref, alors voilà, donc on passe maintenant. Et ben maintenant ça y est, on passe au playthrough sérieusement et donc voilà, alors c'est parti. Attendez. Ok, donc maintenant je peux m'acheter une technique. Putain, je me suis pas équipé de l'objet. Attendez 2 secondes, c'est bon. Ah d'accord, je suis déjà équipé. Attendez 2 secondes, putain, je suis con. Sérieusement, je suis con. Donc en fait, il faut prendre et après s'équiper, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc les gens, pour commencer, alors la jauge. Frappe. Ah merde, comment on fait pour afficher? Bon, attendez. Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. X, les attaques rapides. Enfin, les attaques principales. Et on va dire que Y, c'est un petit peu les attaques lourdes. Et X, c'est les attaques rapides, on va dire ça un peu. On va un peu dire ça. Et X, c'est pour changer d'arme. Donc voilà, vous avez vu que là, maintenant, j'ai une espèce de grosse hache. Donc en haut, en bas, vous avez la barre de magie en bleu, la barre de vie. Et en haut, vous avez l'expérience. Enfin, la barre d'XP. Donc ensuite, vous faites LB, RB pour faire sortir le cheval. Vous l'avez directement. Avant, vous l'avez pas dès le début, hein, le cheval dans le premier. C'était vraiment épique, la scène, comment on est le cheval avec War. Putain, déjà 17 minutes. Oh, mais ça passe extrêmement vite. Surtout un jeu comme Darksiders 2, ça va être hyper long. Vous allez être gâtés. Bien sûr, si... Il y a les likes et tout ça qui poursuit, enfin qui suit si vous êtes omniprésent à regarder ma série. Franchement, ça me fait plaisir quoi, parce que moi j'adore ce jeu. Donc voilà, voilà. Donc voilà, franchement, vous allez être gâtés. Et comme je vous ai dit, j'ai peur de faire. J'ai peur de poster 2 vidéos par jour en même temps et qu'après à la fin vous en regardez qu'une et l'autre que vous la délaissez quoi. Genre voilà, c'est ça ma crainte. Donc moi quand je poste une vidéo par exemple d'Assassin's Creed Sleeping Dogs, à côté il y a la vidéo en privé quoi qui attend d'être postée. C'est pas que je l'ai pas encore faite, c'est qu'elle est déjà postée. Donc voilà, pour vous dire, c'est juste que j'ai peur de poster 2 vidéos en même temps et que les 2 vidéos n'ont pas le même nombre de vues, je sais pas ça, mais qui n'ont pas des likes impressionnants ou quoi parce que j'en ai posté 2 en même temps. Donc bref. Ça c'est par commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je dis ou quoi. Ensuite, les sessions Skype, session LOL, vous avez été plusieurs à me demander un guide pour ceux qui débutent, donc j'en ferai une. Je reprendrai les gameplays. Le problème de hack sur mon compte LOL a été réglé, donc je pense que maintenant je vais réussir à conserver mon compte. Donc oui, je vais vous apprendre, je suis nul hein. Mais pour certains qui me l'ont demandé, moi ça me dérange pas, hein, ça me rapporte pas tellement. Je sais pas, en fait je fais ça pour vous. Vous savez, moi mes vidéos j'adore les faire pour vous et tant que ça vous plaît, bah moi ça va me faire kiffer quoi. Donc ouais, franchement voilà, oui je ferai un guide pour ceux qui débutent et je reprendrai les vidéos gameplay. Donc normalement, je vais acheter Rengar dans pas longtemps. je vais acheter Rengar dans pas longtemps et je ferai la vidéo gameplay.
la vidéo gameplay dans pas très très longtemps. Enfin, je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine. Et je ferai le premier live sur Twitch la semaine prochaine aussi. C'est qui ça? Ah ouais, et des cartes, ok. Donc on va utiliser son. Ah mais franchement, oh là 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 là, son sort, regardez-moi ça. En tout cas, l'autre il est abusé quoi, il fait penser à Hulk. Oh là 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 là, mais comment tu peux mettre un 18 à 16 à ça quoi. Oh, 16 c'est bien, mais bon. Plus quoi, regarde-moi ça. Tu vois le nombre de dégâts que tu fais et tout, enfin. Un cavalier est parmi nous. Encore un comique. Tu es le Néphilim, celui qu'on appelle Death. Qu'est-ce que tu fais là? Je me le demande. Mais on dirait que je suis coincé ici avec vous. Si tu cherches le chaudron, sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps. Je sens encore son feu gronder sous la terre. Ça ne me fait pas peur. Non! Attends, je vais lui reparler, j'espère qu'il va me dire ce que... Parce que là, je me suis dit, putain, pourquoi il n'y a pas les sous-titres, je les ai enlevés? Attendez, je regarde s'il y a les sous-titres. Ou peut-être c'était un bug. Ah oh, bah yes, c'est un bug. Alors attendez. Parler. Qui êtes-vous? Déjà moins agréable à regarder. Déjà moins agréable à regarder. Les villageois m'appellent Junior. Mais je préfère mon vrai nom. Karn. Donc ce sera Junior. Comme tu veux. Ça me gêne pas. Tu as essayé de restaurer le feu. C'est justement pour ça que je suis venu ici. Pour faire des étincelles, en un sens. Être un héros. Mais le chaudron est bien gardé. Et la route à suivre est un enfer de flammes. Cela dit, tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué. Je vais rester ici et monter la garde. Bon, ok. Bah... Moi, maintenant, je passe plus les dialogues, même si je les ai eus depuis 10 ans, parce qu'apparemment, il y en a certains qui n'ont pas le temps de lire. Donc maintenant, je laisse passer. Malheureusement, ça fait perdre du temps dans la vidéo. Et bon, pour que je sois sûr que vous vous disiez bien, bah, je vais laisser comme ça. Par contre, là, ça, c'est de la bombe. Donc voilà, voilà. Après, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire par commentaire. C'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Ah, attendez. Putain, ça me fait penser un petit peu à je sais plus, Kingdom, quelque chose comme ça, Amalur. Les royaumes d'Amalur, quoi. Ouais, je crois que c'est Kingdom. Attendez, je teste. Oh putain, j'adore les armes, tout ce qui est point comme à la Devil May Cry, j'adore. Oh putain, je tombe amoureux. Je suis amoureux de ce jeu. Et mais franchement, je vous jure que je fais un truc énorme pour vous. Pourquoi? Parce que moi, en temps normal, je passe 15 heures devant la console. Hein. Mais vraiment, je passe 15 heures devant la console. Hein. Mais là, je vous jure qu'à chaque fois que je vois la boîte de mon jeu, je suis là comme ça, je me dis résiste. Le chaudron. Je pensais qu'il allait y avoir une cinématique. Donc ouais, donc voilà, et moi surtout ce que j'ai encore peur, c'est de poster des vidéos rapidement, parce que moi je peux très bien faire, par exemple, je peux laisser mon AverMedia allumé pendant 4 heures, jouer pendant 4 heures, et faire des couper des parties, mais j'ai peur que genre je vous poste des vidéos rapidos, genre c'est-à-dire j'en poste une en 15 heures, et que je... Oh là 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 là, les gens, achetez-le s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai peur que je passe des vidéos rapidement et que après bah, vous délaissez la précédente, etc. C'est pour ça pourquoi moi quand je vous... Vraiment, j'y tiens parce que je le fais pas souvent, après je parle plus de ça. Moi franchement, quand vous likez une vidéo ou quand vous regardez une vidéo, forcément si vous regardez le Playtrouf numéro 3 et que vous venez de découvrir, je pense que vous allez regarder le Playtrouf numéro 1 et 2 pour suivre. Donc c'est dans la logique des choses. Mais si vous likez une vidéo, likez les autres quoi, si vous avez aimé. Surtout n'oubliez pas, ça prend une seule seconde. Donc c'est important parce que comment dire ça? Ah putain, ça me rappelle ça avant. Ah ouais, ils étaient en rouge avant. Donc je pense que si je fais ça, la chaîne prend une ampleur de fou et faut pas suivre la cadence, mais
On va dire, on va essayer de tout casser, quoi. Donc voilà. Défense 6, c'est pas grave. Peut-être à mon avis, elle doit être stylée. Ok, elles sont stylées. J'irai au bout de mes rêves. Pardon. Oh là 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 là. Ah mais je suis en extase devant le jeu, mais laisse tomber. Oh, déjà 25 minutes quoi. Oh là là là. Dire que t'en 20 minutes, je dois lâcher quoi. Mais regardez comme ça fait mal, 108. C'est énorme. Par contre, vite, trouve-moi le chemin. Je crois qu'il faut suivre l'aigle à chaque fois si tu veux trouver ton chemin. Non, faut pas le suivre. Il faut monter sur ça, non? Je sais pas. J'ai attendu si elle. Je pense que si elle est bombe, elles sont pas là pour rien. Extrêmement instable, les bombes peuvent être utilisées. Voilà. Voilà, déjà regardez, vous avez vu? Je pense pas qu'elles étaient là pour le coffre, quoi. Parce que je pense pas que quelqu'un aurait pu faire la différence entre. En se disant, ouais, si je prends la bombe là-bas et que je lance la bombe sur l'espèce de cristaux jaunes, est-ce que ça s'explose pour ceux qui n'ont pas vu Darksiders 1, quoi? Allez, je veux du menu. C'est du menu fretin, ça. C'est nul, ça. Nous, on fait des gros boss, quoi, qui font mal, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait quand j'enfonce. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? C'est la garde? Je pense que c'est la garde. Bon, je pense pas que je peux rentrer. Il n'y a pas de verrou sans clé. Bah, forcément. J'adore faire ça. Putain, j'adore l'espèce de truc là qui apparaît à chaque fois au-dessus de sa tête. Ah oui, et pour ceux qui veulent voir du DZ aussi en même temps, bon, je sais qu'il y a pas beaucoup maintenant. On reprendra les survivants quand Salaire va rentrer. Quand Salaire va rentrer, il va bientôt rentrer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il va peut-être y avoir du DayZ une fois par semaine chez moi, sur ma chaîne. Donc voilà. Après, qu'il y avait Minecraft, non, c'est fini, ça y est. Par contre, il va y avoir un nouveau jeu, je pense que vous connaissez, qui s'appelle. Par contre. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Par contre, la deux fois la même connerie, ça c'est chiant. Donc oui, il va y avoir peut-être un nouveau jeu sur ma chaîne. Sayer m'a proposé avant de partir. Il s'appelle Payday the East. Donc on verra. C'est quoi ce bug? Oh, c'est quoi ce bug? J'ai pas compris là. Oh, il y a eu un bug. Il pique. Donc ouais, un jeu qui s'appelle Payday 2 Est, on sait pas encore, on va voir ça quand il va rentrer. Donc voilà, Minecraft c'est fini. League of Legends, bah je l'ai dit, je ferai ça très prochainement. Donc voilà. J'essaie de diversifier la chaîne quand même. Enfin de faire. Bon, même si avec Sleeping Dogs et Darksiders 2 c'est énorme. On essaie quand même j'essaie quand même de faire un maximum de choses. Par contre, j'ai pas compris le bug qu'il y a eu. Donc si vous avez compris ce qui s'est passé, bah dites-le moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas là ce qui s'est passé en fait. Putain, je peux toujours pas voler comme avant. War pouvait voler, mais je pense qu'il pourra voler plus tard. Ok. Mais attendez. Oh, c'est quoi ce bug? Mais attends. Oh. C'est le jeu pas bugué. Je peux rien faire. Et genre je vais crever devant vous. Je peux pas charger. Et si je sors. Oh là 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 là. Oh putain, c'est quoi ce bug? Bon bah pendant ce temps on va. Attends, mais il perd même pas de la vie en plus. Bah attends. Bon bah les gens on va parler pendant ce temps. Putain, j'y crois pas. Épique.
Bah avancez hein, au pire, avancez dans la vidéo, putain ça perd une minute quoi en faisant ces conneries. Putain c'est chiant, sérieux. Non mais sérieux ça se fait pas ça par contre en plein playthrough. Bah écoutez, vas-y goûte la lave, ça fait toujours du bien. Vas-y goûte la lave. C'est donc quoi ça déjà? Nanana. Bon bah si vous aimez le titre de la musique, bah... Pff, je m'en rappelle plus. Ah le bug. Moi ça me fait rire mais je vous jure que je suis en train de serrer les poings là. Ma manette elle est compacte tellement que je la serre. Ah bah avancez de 1 minute, 2 minutes quoi. Parce que ça va être que de ça là. À part si vous êtes assez fou pour entendre mes conneries ou pour voir cette torture mentale. Mais ça se fait pas ça. Ça doit être interdit. Hein. Siphonner le death. En plus il meurt plus là. Mais vas-y quoi. Mais sérieux, putain, mais crève quoi. Déjà le premier playthrough, il y avait la Vermedia, il m'a fait une connerie. Maintenant c'est le jeu. Bon bah il crève pas. Il crève pas. Il crève pas, il crève pas, il crève pas. Il crève, s'il te plaît, allez. Putain. Vous savez que là, si. S'il remet pas. Enfin, si quand je charge, il va pas charger là au début du donjon. Vous savez que je vais devoir tout recommencer. Donc en fait. Là je suis en train de serrer les points en fait. Attendez. C'est bon. Putain mais le bug quoi. T'as pas le droit. Mais vas-y, mais qu'est-ce que je. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grimpé un truc. Oh. Je sais pas, j'ai grimpé un espèce de truc et là je me retrouve là. Donc là on est à la. Ok, on est à la salle. On était là. Vous me suivez. Donc voilà, j'ai. Donc là, pas d'issue, vous avez. Enfin, il a dit ouais, pas de clé, pas de porte, je sais pas quoi. Donc voilà, on est d'accord, vous me suivez. Donc ensuite, donc voilà. On a dit bon, ben on monte là. Voilà. On court. Et on fait comme ça. Voilà. Mais pourquoi y avait un bug? Donc j'ose même pas sauter en fait. Donc là on fait un saut comme ça. Voilà. C'est bon. Ça, il me stresse le corbeau là-bas, moi regardez. Donc voilà. Okay, c'est quoi le problème en fait? Ok. Je vais où là? J'ai pas compris le bug là qu'il y avait un instant. Oh, les gens, mais si vous voyez ça, vous allez être choqués, je pense. Oh putain. Hop. Par contre, une chose que vraiment je kiffe, c'est Death, quoi. C'est j'allais dire le champion. Le personnage le plus stylé des quatre. Bon, les deux autres, j'ai pas vu comment ils sont. Je sais qu'il y a une meuf. Mais. Je sais pas, je le trouve trop stylé. Déjà, en plus, j'ai chopé une armure. Attends, y'a pas moyen de descendre comme il faisait War avec. Ah, ok. Ok, oh, bah, je sais pas, War, je crois qu'il faisait avec ses griffes, ils descendent. Ou je sais plus. Peut-être je confonds avec un autre jeu. Bon bah ça va. Ensuite, donc là il y a la bombe. Vas-y Bomberman. Bon elle était nulle la blague. Ok. Donc en gros ça résume comme quoi je vais me retaper le chemin. Ah non c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais comment j'ai fait pour être là-bas putain? Deux secondes là, vous allez attendre deux secondes parce que j'avais débloqué un truc là. Sérieux, je l'ai pas. J'avais débloqué une espèce de. Vous savez, il avait une espèce de. Ah oui, c'est en tuant les. Enfin, je sais plus là, c'est bon, putain. J'avais débloqué une espèce de patron, tendre à long, je sais pas quoi. Bref, regardez-moi cette rapidité. Chou, chou.
Naruto. Attends, Naruto, il est pas... C'est qui? On peut faire référence à qui? D'accord, ouais, c'était la garde. Hop, contre-attaque. Hop, moi je ramasse ça. Et voilà. Et voilà. Oh là là là, comme il fait mal. Ça devrait être interdit comme il fait mal. Donc attends, j'ai débloqué des Nike là. Ah, OP. Enfin, je rigole. Hop là. Pas besoin de cartes, moi. Ça, ça me fait penser à Ezreal. Piece of fire. 35 000, putain, 4 minutes, il reste. Salut, l'endroit bugué. Par contre, là, vous avez vu les trucs qui sont avec les la carapace, le gros truc. Il est résistant, lui, hein, putain. Moi, je mets du temps à le buter. Il me fait surtout très mal. Et je vais calmer tout de suite là. Putain, je vais sortir le marteau. Oh putain, je l'ai pas. Je vais utiliser une potion. Par contre, j'ai besoin de mon. Enfin, attends, il fait mal ou pas le marteau? Non, il fait. Et non, et ouais, il fait plus mal parce que ça, ouais, ça c'était quand quoi. On va tester ça de toute façon. Voilà, ouais, j'ai utilisé la dernière potion que j'avais. Ah ouais, ça fait mal ça par contre. C'est quoi ça? Gantelet de feu. Oh putain, je sens que je vais kiffer. Oh là là. Les gens. Ouh, putain, 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 putain. C'est quoi ça? Vous savez, j'ai l'alarme là. J'ai l'alarme à l'œil là. Je vous jure, j'ai l'alarme à l'œil. Par contre, j'aimerais bien reprendre le pantalon que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, ça doit être la clé. Bon là. Oh, stylé. Mais c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Et je suis en extase devant le jeu. Vas-y, Roukoups, montre-moi la voie. Ah, je vais dire putain, j'ai même pas pu tester. Oh là là là. Oh, vous savez ce que ça me donne envie? Ça me donne envie de faire un gros fond d'écran sur Darksider 2 et de vous le donner à tous. Je vous jure, je crois que je vais faire ça. Si cette vidéo, regardez le grand défi que je vous lance. Si cette vidéo, on va dire, c'était quoi le record précédent? 421, je crois. Cette vidéo fait 500 likes, je fais le fond d'écran. Les amis, je vous fais le fond d'écran, je le mettrai dans le lien. Arrivé à 500, je vous jure, je vous promets, je ferai le grand fond d'écran pour vous, rien que pour vous, avec une petite signature à la fin en disant pour mes abonnés. Et je vous jure, regardez comme c'est stylide. Ça se dit pas stylide, mais c'est un mot que j'ai inventé là à l'instant. Voilà. Non, pas ça, ça c'est... Si! C'est ça! Ah ouais, c'est juste qu'il les a pas dans les mains, quoi. Putain, la faux, quoi. Surtout que moi, c'est important chez moi, la beauté des armes. C'est vraiment important. Le fait de pouvoir modifier ses armes, etc. C'est très très important chez moi. Alors que dans Darksiders 1, ils l'ont pas fait, ça. Il y avait pas ça, donc... Je comprends pas pourquoi G2.com n'ont pas... Franchement, j'ai pas lu le test, hein, mais j'ai vu ça, j'ai vu juste le pourquoi. Mais voilà. Par contre, non, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Merci. Par contre, putain, 40 000. Ben, je crois qu'on va devoir se quitter là. Mais déjà, j'essaie de trouver un moyen de revenir en arrière. Ah bah ben, oui, là.
Putain, c'est pas évident à trouver. Qu'est-ce que c'est ça? Passons de tester mes gantelets. Mais Crochet, appelle-moi Captain Crochet! Putain, y'a pas moyen d'aller retrouver l'espèce de. Je vais voir ça vite fait, 2 secondes. C'était pas ici de toute façon que je les avais débloqués. C'était en tuant le gros monstre. Épique quoi, les aventures de Daxiador, c'est vraiment épique. Vas-y, fourre la clé! C'est la Keyblade, ma gueule! Ah, la Keyblade, oh là là, je vais devenir nostalgique quand je vais arrêter cette vidéo avec Kingdom Hearts et tout. Ok, pas besoin de me faire un dessin. Vas-y, hop là. Là, c'est facile. Vous allez voir que plus tard, il va falloir faire des énigmes de fou pour les placer les boules, à mon avis. Hop. Et pas hop. Wouhou! C'était pour le fun. Hop. Double hop. Et double triple hop. C'est cru que j'allais vraiment. Bon, c'est pas, j'arrête mes conneries. Après, on va dire que. Ouais, Liberty 5 à main. Nananu. Non, je rigole. Par contre, Liberty 5 handicapé. Il sait pas jouer à Darksiders 2. Qu'est-ce que tu me dis là? Ah, c'est fini la misère au coffre. J'ai une faux meilleure que la chaîne. Par contre, et alors? Ah, vous inquiétez pas, j'ai Rookoops. Rookoops, montre-moi le chemin. Ok, Rookoops me dit que c'est en arrière. Non, Rookoops ne veut pas me montrer le chemin apparemment. On va l'appeler Rookoops, hein. J'espère que ça vous dérange pas pour les puristes de Darksiders 2. C'est mon tour en cheat, c'est... Donc voilà, le petit moment qui sert à rien, juste pour avoir une info dont la mienne est déjà abusée, quoi. Qu'est-ce que tu peux trouver? Vas-y, Rookoops, montre-moi le chemin. Mais tu m'as dit que c'était pas là! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi changement? Putain, j'ai tombé. Et ça allait pas être drôle. Hein. Montre-moi la voie. Bon, attendez. Vous êtes d'accord avec moi que Rookoops me prend pour un con, quoi. En gros, il me prend pour un pigeon. Bon, pardon la blague. Cherche, vas-y. Montre-moi la voix. Enfin, pas ma voix, moi. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai pas vu. Putain, la blague de merde. Mais non, il y a... Putain de merde. Ah ouais, ok, ouais, putain, heureusement que sur la carte on voit ça, hein. Les mouvements sont plus rapides, c'est plus fluide, les graphismes ben, sont sans améliorer, enfin, je comprends pas. Ah! Le talisman, il est pourri de précédent? Pourtant, j'avais l'impression qu'il était... Attendez, je suis pas armé de... Ah non, ça c'est la dernière fois. Ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est bon, ça y est, arrête. C'est bon, calme-toi, Spider-Man. Et ensuite? Oh putain, vous savez que j'ai du mal, quoi, avec ça. Et voilà. Donc là, il va en faire avoir un... une armure de beau gosse. Bon, ben, ouais. Une armure de beau gosse, ouais, ouais. Et ensuite, Rookoops, montre-moi la voix, s'il te plaît. Attends, à chaque fois, on va dire ça. Attaque tornade. Non, je rigole. Youhou. Ah, mais c'est là où j'étais, en fait.
ce que tu peux trouver. Bon bah les gens, je vais vous laisser là alors. Ouais, je vais vous laisser là. Donc voilà, j'espère que ça vous avez apprécié. J'espère que vous allez prendre en compte ce que j'ai dit au début de la vidéo. Hein, voilà, et surtout n'oubliez pas le petit like, je le rappelle. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Sleeping Dogs, forcément, et l'épisode de Darksiders 2. Donc il y aura Sylar. Je pense qu'à mon avis, Sylar en rentrant va faire un live. On verra ça. Je vous tiens au courant de toute façon, comme d'habitude, et voilà. Et bientôt les 4000 abonnés. Bientôt les 4000 abonnés. Je pense que quand j'aurai posté cette vidéo, il y aura déjà les 4000 abonnés. Donc voilà, c'est énorme et je vous remercie à tous, je vous aime tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, le temps est passé super vite. Ouais, j'avoue. Allez, salut tout le monde.